Ce petit village au beau paysage s'appelle Shibaipo. Zhou Enlai disait « Shibaipo est le dernier siège du commandement du PCC du président Mao à la campagne, avant leur entrée à Beiping pour libérer la Chine entière. C'est là où les trois grandes batailles ont été commandées. C'est là où le deuxième plénum du 7e congrès national du PCC a été organisé. Lors de sa visite à Shibaipo, le camarade Xi Jinping a déclaré Après la victoire de la guerre de résistance contre l'agression japonaise, la Chine fait face à un choix entre deux destins, deux avenirs. Chiang Kai-shek s'en tient à ses principes de guerre civile et d'autocratie. Il se précipite pour s'emparer des régions stratégiques avec l'aide américaine et les officiels du Kuomintang en profitent pour exploiter les populations locales à leur profit. En août 1945, Chiang Kai-shek envoie trois messages consécutifs à Yen Han, invitant Mao Zedong à discuter des grands dossiers à Chongqing. Son vrai but, gagner du temps pour préparer la guerre civile. Pour préserver la paix, Mao Zedong, au mépris de sa sécurité personnelle, décide de se rendre à Chongqing pour négocier avec Chiang Kai-shek. Le 28 août 1945, Mao Zedong est le premier à descendre de l'avion qui atterrit à l'aéroport Jiulongpo de Chongqing. Ce qui fut considéré comme extrêmement courageux. Au bout de 43 jours de négociations, le PCC et le Kuomintang signent l'accord du 10 octobre. En marge des négociations sur la demande de son vieil ami Liu Yazi, Mao Zedong copie « La neige », un poème qu'il a écrit en février 1936. Pour trouver des hommes vraiment grands, regardons plutôt le présent. Ces vers signifient que c'est le peuple qui est grand et qui décide de l'avenir du pays. En juin 1946, Chiang Kai-shek dénonce sans scrupule l'accord du 10 octobre et lance la guerre civile sur tous les fronts, en commençant par une région libérée qui se trouve au centre du pays. À ce moment-là, le rapport des forces entre le PCC et le Kuomintang était disproportionné. L'armée populaire de libération, APL, comptait 1,27 million de soldats contre 4,3 millions du côté des troupes du Kuomintang. À Yen Han, lors d'un entretien avec la journaliste américaine Anna Louise Strong, Mao Zedong compare les réactionnaires à des tigres de papier. Il affirme que sur le long terme, la vraie force n'appartient pas aux réactionnaires, mais au peuple. L'APL remporta la victoire dans les batailles au centre du pays, dans le centre du Jiangsu et dans le sud-ouest du Shandong, déjouant ainsi l'offensive globale des troupes du Kuomintang. Alors celles-ci lancèrent de nouvelles offensives contre les régions libérées dans le nord du Shaanxi et du Shandong. Le nord du Shaanxi était le siège du comité central du PCC. Seulement 20 000 soldats de l'APL y campaient. Et les troupes du Kuomintang commandées par Hu Zongnan comptaient 250 000 hommes. Mao Zedong a déclaré « Ne nous soucions pas excessivement de la perte d'une ville ou d'une région. » Avec l'abandon de Yen Han, nous pouvons obtenir l'ensemble de la Chine. Mao Zedong, Zhou Enlai et d'autres dirigeants du parti finissent par quitter Yen Han. Les troupes de Hu Zongnan entrent à Yen Han en grande pompe et Chiang Kai-shek se rend sur place pour y mener une enquête. Mais finalement, il ne trouve qu'une ville vide.
L'étendard de l'APL flottait sur le plateau du nord-ouest du pays. Sur le plateau de Leus, Mao Zedong, à la tête du comité central du PCC et du commandement général de l'APL, commandait les batailles dans la région et la guerre nationale de libération. Son véhicule fut l'objet de bombardements de la part des avions ennemis. Entre les batailles, Mao Zedong apprend l'histoire de Liu Hulan, secrétaire de l'Association des femmes pour le salut national du village de Yunzhouxi du Shanxi. En janvier 1947, les troupes du Kuomintang encerclent le petit village de Yunzhouxi. Devant le couperet de l'ennemi, Liu Hulan, d'un héroïsme intrépide, tombe en martyr. Était-elle membre du PCC ? Avait demandé Mao Zedong. John Bicheux avait répondu : une excellente membre du PCC qui n'avait que 15 ans. Très touché, Mao Zedong a donc rédigé : sa vie fut empreinte de grandeur, sa mort pleine de gloire. Peu après, le village de Yunzhouxi fut libéré. Sur le théâtre du Nord-Ouest, l'armée de campagne du Nord-Ouest, commandée par Peng Dehuai et Shi Zhongxun, tiennent tête à l'ennemi avec la tactique dite de mouvement et patience. En gagnant les batailles de Qinghuabian, de Yangmahe et de Panlongzhen, elle réussit à stabiliser la situation au nord du Shanxi. Au Shandong, l'armée de campagne de l'Est, commandée par Chen Yi et Su Yu, lance la bataille de Meng Yonggu et extermine la 74e division, une des cinq forces d'élite de l'armée du Kuomintang. Le chef de division, le général Zhang Lingfu, fut tué. Au moment le plus dur de la bataille, une troupe est entravée par la rivière Wenhe. Une trentaine de paysannes locales descendent les portes de leur maison et sautent dans l'eau glaciale pour former un pont humain. Les soldats en larmes ont emprunté ce pont si particulier. En juillet 1947, le comité central du PCC tient une réunion au village de Xiaohe, dans le nord du Shanxi. Il décide de mener la guerre dans les régions occupées par le Kuomintang. Peu après, l'APL passe de la défense stratégique à l'offensive stratégique. L'armée de campagne Shanxi Hebei Shandong Henan, commandée par Liu Bocheng et Deng Xiaoping, traversa le fleuve jaune et pénétra dans la montagne d'Abyeshan, préludant à l'offensive stratégique de l'APL. Sur tous les théâtres, les trois principales forces de l'APL forment la dynamique générale de l'offensive et de la défense stratégique en synergie. Mao Zedong indiqua : c'est un tournant historique qui verra la domination réactionnaire de Chiang Kai-shek, qui a duré 20 ans, et la domination de la Chine par les impérialistes, qui a duré une centaine d'années, passer du stade de développement au stade de disparition.
Dans les régions occupées par le Kuomintang, la monnaie s'est dépréciée et on assistait à une flambée des prix. Les agents secrets du Kuomintang tuaient des personnalités démocrates comme Lee Gongpu et Won Yiduo. Les étudiants patriotes et les personnalités démocrates se lancent vaillamment dans la lutte contre la faim, la guerre civile et l'oppression. Ils forment un deuxième front à côté de l'APL. Le Kuomintang est désormais encerclé par l'ensemble des Chinois. En juillet 1947, le comité du travail du comité central du PCC tient la réunion nationale sur le travail foncier et élabore le plan de la loi agraire de Chine, publié avec l'autorisation du comité central 3 mois plus tard. Une réforme agraire est menée, consistant notamment à annuler le système féodal de la propriété foncière et à rendre les paysans maîtres de leurs terres. Les populations des régions libérées monteront activement au front pour soutenir la guerre de libération. Les soldats ordinaires du Kuomintang sont eux aussi des paysans. Beaucoup d'entre eux s'engagent dans l'APL après avoir été capturés. En décembre 1947, le comité central du PCC tient une réunion à Yangjiago, dans le nord du Shaanxi. Lors de cette réunion, le plan d'action pour évincer Chiang Kai-shek et libérer la Chine tout entière est élaboré et les 10 principes militaires sont proposés. Ceci consiste essentiellement à concentrer les forces supérieures pour anéantir les forces ennemies une par une. Le 25 mai 1948, dans le combat pour libérer le district de Longhua, le chef d'escouade Dong Tsun-rui se précipite jusque sous un pont pour allumer l'explosif qu'il tient à la main. En sacrifiant sa vie, il ouvre la voie à la victoire. Avec le développement de la guerre, les grandes batailles décisives sont lancées sur la terre chinoise. Le 12 septembre 1948, la bataille de Liaoning-Shenyang éclate. Conformément à la stratégie de la commission militaire centrale, Jin Zhou est saisi en premier et le corps lourdement armé des troupes du Kuomintang est enfermé dans le nord-est du pays. Le commandant de l'artillerie de l'armée de campagne du nord-est, Zhu Rui, tomba en héros lorsqu'il commandait les opérations au front. C'est l'officier le plus haut gradé que l'APL perdit durant la guerre de libération. L'offensive de Jin Zhou éclate. Les assaillants fondent sous le drapeau rouge. Le porte-bannière Zhu Wanlin est tué par balle en montant sur le rempart de la ville, tandis que le chef d'escouade, Zhao Hongchuan, qui continue d'avancer, tombe sous les tirs. Le chef de section Liu Jin, qui reprend le drapeau rouge, monte sur la brèche et est touché par balle. Le soldat Li Yumin est le quatrième à brandir le drapeau rouge pour le dresser sur la brèche. Et tout cela se produit en moins de 3 minutes. La bataille de Liaoning-Shenyang dura 52 jours. 472 000 soldats du Kuomintang y furent tués. L'ensemble du nord-est du pays était libéré. La deuxième bataille décisive, la bataille de Huaihai, commença. Huo Mao-Zhu-Xi,
是在以邓小平同志为书记的政权委同意领导和指挥下，华东野战军、中原野战军和解放兵团密切配合下，向长江以北将军的主力进行了一次全面性的打击。 Sur le théâtre de Huaihai, l'APL compte 600 000 hommes contre 800 000 du côté du Kuomintang. L'APL concentre ses forces pour éliminer les forces ennemies un par un. Les troupes de Huang Baitao, celles de Huang Wei et celles de Du Huming, remportant une victoire miraculeuse d'une petite armée sur une grande. Cette La bataille de Huaihai dura 66 jours. 555 000 soldats du Kuomintang y furent tués. La ligne de front de la guerre de libération populaire était poussée jusqu'à la rive nord du Yangtze. Le dernier bol de riz et le dernier morceau de tissu, nous les offrirons aux soldats. La dernière veste couvrira le blessé sur la civière. Et le dernier fils sera envoyé au front. Le maréchal Chen Yi disait « La victoire de la bataille de Huaihai a été remportée grâce au soutien énorme du peuple. » Durant cette bataille, les régions libérées ont mobilisé un total de 5,43 millions de paysans au front pour assurer les logistiques de l'APL. C'était une véritable guerre populaire. Dans le nord de la Chine, l'armée de campagne du nord-est et les forces principales de la région militaire du nord menèrent ensemble la bataille de Beiping-Tianjin. Tianjin, connu comme un bastion, fut prise 29 heures après le lancement de l'offensive générale par l'APL. Au bout de 29 heures de combat, Tianjin est libéré. Au même moment, les 200 000 soldats de l'armée d'extermination de bandits du nord de la Chine, du Kuomintang, commandés par Fu Zui, sont pris au piège par le million de soldats de l'APL à Beiping. Pour que cette ville millénaire ne soit pas détruite par les flammes de la guerre, l'APL propose de négocier avec Fu Zui. La fille aînée de Fu Zui, Fu Dongju, était secrètement membre du PCC. Mandatée par le PCC, elle est rentrée de Tianjin à Beiping pour convaincre son père d'accepter les conditions de paix du PCC. Avec les efforts de persuasion du comité central du PCC et de l'APL, Fu Zui finit par accepter les conditions avancées par l'APL et par sortir de la ville avec ses hommes pour se soumettre à la réorganisation. Beiping fut libéré pacifiquement. Le 3 février, l'APL organise une grande cérémonie d'entrée dans la ville de Beiping. Sur l'ordre du président Mao, les soldats armés sont passés avec fierté par Dongjiao Minxiang, autrefois quartier des concessions étrangères interdit aux Chinois. C'est une scène qui montrait que l'histoire de la domination de la Chine par les puissances occidentales était révolue à jamais. «
Durant les trois grandes batailles décisives, plus de 1,54 million de soldats du côté du Kuomintang ont été tués. Les forces militaires principales, sur lesquelles s'appuyait la domination réactionnaire du Kuomintang, ont majoritairement été anéanties. Le 30 décembre, Mao Zedong publia ses vœux du nouvel an. Mener la révolution jusqu'au bout. En avril 1949, le gouvernement du Kuomintang refuse de signer l'accord de paix conclu entre les négociateurs des deux parties. Mao Zedong et Zhu De publient l'ordre d'avancer dans l'ensemble du pays. Le million de soldats de l'APL lance la bataille de la traversée du Yangtze. Un bateau d'assaut avançait courageusement contre les balles et les vagues. Les soldats se rendirent compte avec surprise que c'était une jeune fille qui tenait le gouvernail. Le 23 avril 1949, le drapeau de l'APL est dressé sur la résidence présidentielle de Nanjing, sonnant la fin officielle de la domination réactionnaire du Kuomintang. Nous sommes à Beiping. C'est la villa Shuangqing de Xiangshan. Mao Zedong tient dans la main un journal qu'on vient de lui donner, avec le titre « Libération de Nanjing ». Le photographe Xu Xiaobing immortalise cet instant avec une photo historique. Dans un poème, Mao Zedong s'exprime sur la prise de Nanjing par l'APL. La bataille éclate à Shanghai, une ville à forte densité de population, d'industrie et de commerce. Les commandements de tous les échelons de l'APL ordonnent aux soldats de n'utiliser que les armes légères en ville, les canons et charges d'explosifs étant interdits. Renoncer aux armes lourdes signifie des pertes humaines inévitables. Sur le pont de la rue Sichuan, les forces ennemies ouvrent le feu en se cachant dans un grand bâtiment plein de civils innocents. Les soldats tombent, les uns après les autres, lors des assauts.我记得很清楚，那天是5月25号，再过两天上海就解放了。这十年了，我一直在想当时这些同志说的一句话。 我们已经踏上新中国的门槛了。上海人民广播电台，上海人民广播电台，亲爱的听众们，你们好，现在我们开始第一次播音。 Shanghai est désormais libéré. Près de 8000 soldats ont trouvé la mort dans les combats. Le comité central du PCC envoie un message de félicitations au front de Shanghai. Vive la nouvelle Shanghai! Vive la Chine nouvelle, indépendante et libre!
Gloire éternelle aux héros tombés pour la libération de Shanghai. L'APL continue sa marche en avant pour éliminer les forces résiduelles du Kuomintang et libérer tout le territoire. À Beiping, Mao Zedong dédicace le grand album de peinture « Les 3 ans de la guerre de libération du peuple chinois, victoire du peuple ».为业征途，每一天都。